Mets tes lunettes de vue car tu ne reconnaîtras pas ton corps grâce à cet entraînement très simple. Malheureusement, tout le monde ne peut pas aller à la salle de sport régulièrement. Mais nous avons une bonne nouvelle pour toi. Tu peux obtenir le corps de tes rêves en faisant les bons exercices à la maison. De plus, si tu les fais régulièrement, tu verras des résultats notoires en quelques semaines. Alors, veux-tu avoir des abdominaux tonifiés et des fesses bien rebondies? Si la réponse est oui, mets tes baskets et allons-y. Mais avant de faire une transformation complète, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, tu ne manqueras plus nos nouvelles vidéos sur Sympa. Mais revenons à notre entraînement, nous allons faire 7 exercices et 2 séries à chaque fois. Pas de panique, après chaque série, tu pourras souffler un peu. Nous te dirons aussi pourquoi faire cet exercice est nécessaire et pourquoi il est aussi bénéfique. Es-tu prêt? Alors, commençons. Exercice numéro 1, Jumping Jacks avec Burpees. Oui, tu nous as bien entendu. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices combinés. Voici comment faire celui-ci. Commence debout, les pieds joints. Tes bras devraient être sur les côtés. Depuis cette position, lève les bras au-dessus de ta tête et saute en écartant tes jambes. N'oublie pas que tu dois faire cela simultanément. Sans t'arrêter, fais le mouvement inverse et répète. Compris? Allez, la partie burpee. Quand tu reviens en position initiale après ton jumping jack, plie les genoux et place tes mains au sol devant toi. Crochette tes pieds en position de pompe avec un petit saut, faisant une et un seul saut. Remets tes pieds au niveau de tes mains en pliant les genoux. Et enfin, reviens debout. Nous allons faire 5 jumping jacks avec un burpee après. Et 5 fois pour chaque série. Es-tu en position? Allez, c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5 et burpee. 1, 2, 3, 4, 5 et burpee. Bien, encore. 1, 2, 3, 4, 5 et burpee. Encore 2. 1, 2, 3, 4, 5 et burpee. Et 1, 2, 3, 4, 5, burpee. La série 1 est complète. Maintenant, relaxons-nous un peu et parlons des jumping jacks. C'est en fait un exercice cardio d'aérobic qui est très bénéfique pour ton cœur, ta coordination et ta souplesse. De plus, cela fait fonctionner tout ton corps et les différents groupes musculaires. C'est pourquoi tu peux trouver les jumping jacks dans presque chaque session d'exercice. Alors, comment tu te sens? Prêt pour la seconde série? Allez! 1, 2, 3, 4, 5, burpee. Et 1, 2, 3, 4, 5, burpee. Super! 1, 2, 3, 4, 5, burpee. 1, 2, 3, 4, 5, burpee. Et un dernier pour la route. 1, 2, 3, 4, 5, burpee. Incroyable! Puisque les burpees sont l'un des exercices les plus intenses et complets, ils peuvent brûler facilement les calories extra que tu as consommées dans la journée. De plus, ils renforcent ton endurance tout en te musclant. Mais passons à l'autre exercice. Exercice numéro 2, la planche qui marche. Commence en position de planche classique avec les avant-bras au sol, ton corps formant une ligne droite depuis tes épaules jusqu'aux pieds. De cette position, utilise un avant-bras à la fois et mets-toi en position de planche en équilibre sur les mains. Et n'oublie pas de rester bien droit. Et voilà, une planche qui marche. Faisons 15 fois pour chaque série. En position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Splendide! La planche classique est elle-même un exercice qui renforce le centre, mais la planche qui marche rend le premier exercice bien plus difficile et efficace. La planche qui marche est surtout bonne pour le haut du corps, tout en faisant travailler tes muscles. Mais assez parlé, reprenons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, continue comme ça. 11, 12, 13, 14, 15, et voilà. Parfait. Prends une bonne respiration et continuons. Exercice numéro 3, fente sautée avec burpees. Et revenons au burpees. Toutefois, au lieu de faire des jumping jacks, nous allons commencer l'exercice avec deux fentes sautées. Tiens-toi debout et saute en position de fente. Assure-toi que le genou avant n'aille pas plus loin que tes orteils. Ensuite, saute en faisant passer la jambe avant à l'arrière et vice-versa. Et fais un burpee comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous allons faire un combo de 10 répétitions pour chaque série. Allez. 1, 2, burpee. Oui, bien. 1, 2, burpee. 1, 2, et burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. Essaye de maintenir une respiration régulière, tu t'en sors très bien. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. Et 1, 2, burpee. Pause. Les fentes sautées sont l'un des rares exercices à transformer complètement tes jambes tout en les renforçant en même temps. Ce type de saut renforce aussi tes muscles des cuisses mais aussi tes fessiers. Mais la pause est terminée, revenons au travail. 1, 2, burpee. 1, 2, et un burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, fais un burpee. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. Accroche-toi. 1, 2, burpee. 1, 2, burpee. Ouais, fini les burpees. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 4, les pompes à la Spider-Man. Bah quoi, il a l'air amusant cet exercice, non? Peut-être que cela augmente les pouvoirs de Spider-Man. Mais assez de spéculation, découvrons de quoi il en ressort. Commence en position de pompe classique. Quand tu abaisses ton corps pour faire une pompe, lève ton pied droit et amène la jambe droite sur le côté. Le but est de toucher ton coude avec ton genou. Ensuite, reviens en position initiale et répète la même chose avec la jambe gauche. Notre défi, faire 10 fois cet exercice pour chaque série. Allez, go! 1, 2, 3, n'oublie pas de passer à la jambe gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo, tu as complété le premier set. Si tu sens que ton corps souffre un peu et que c'est un exercice trop avancé pour toi, tu peux le remplacer par des pompes classiques pour le prochain round. D'ailleurs, c'est le moment de commencer. 1, 2, 3, bien, mais essaie de faire la pompe un peu plus bas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent ça! Faire des pompes à la Spider-Man régulièrement fera fonctionner les muscles de ton torse et de tes bras plus durs. Le résultat est simple, de jolis bras bien toniques et des abdos en béton. Exercice numéro 5, des squats en mode sprint. Pour cet exercice, commence allongé avec les genoux pliés et les pieds bien à plat au sol. Relève le torse à un angle d'environ 45 degrés du sol et étends la jambe droite à quelques centimètres au-dessus de celui-ci. Depuis cette position, reviens en position initiale avec le torse et amène ton genou droit vers la poitrine tout en amenant ton bras gauche devant. Fais en sorte de changer la jambe et le bras à chaque fois pour bien travailler les deux côtés simultanément. 10 fois deux séries suffiront. Au travail. 1, 2, n'oublie pas de changer de bras et de jambes. 3, 4, 5, 6, très bien. 7,
8, 9 et 10. Cet exercice est considéré comme l'un des meilleurs pour les abdominaux. Et ça, c'est grâce à la capacité de cet exercice d'étirer tes fléchisseurs de hanches et de les renforcer avec tes muscles abdominaux. Oui, plutôt impressionnant. Mais le temps est écoulé, revenons à nos moutons. 1, 2, 3, 4, 5, super, encore un peu. 6, 7, 8, 9, 10. Tadam ! Mais ne fais pas encore péter les feux d'artifice, il nous reste un peu de pain sur la planche. Exercice numéro 6, exercice du sit throw et du grimpeur. Les exercices combinés te manquent ? N'en dis pas plus, nous te présentons le sit throw combiné au grimpeur. Nous allons commencer par quelques sit throw, donc mets-toi en position de pompe. Ensuite, lève ta main droite et ta jambe gauche du sol. Mets ta main au niveau de ta tête et donne un coup de pied avec ta jambe gauche tout en torsionnant ton corps afin que tes fessiers effleurent le sol. Reviens en position de pompe et répète la même chose en inversant la main et la jambe. Et maintenant, le grimpeur. En revenant en position de pompe après deux sit-throughs, amène ton genou à ta poitrine. Ensuite, saute et fais la même chose avec l'autre jambe. Continue de changer de genou durant 4 répétitions. Répétons cette combinaison puissante 10 fois. 1, 2, allez le grimpeur. 1, 2, 3, 4. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oublie pas de bien respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait que c'est difficile, mais continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien! Ton corps te remerciera de faire des sit-throughs si tu veux perdre du poids. Il brûle l'excès de calories comme aucun autre et te fait un corps tonique et dynamique. Ça a l'air excitant, non? Mais si tu veux voir tous les bienfaits rapidement, tu as intérêt à travailler dur. Alors passons à la seconde série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oublie pas de changer de côté pour les sit-throughs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es un bon grimpeur, toi, ça se voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'exercice du grimpeur améliore ta mobilité et tes capacités cardiovasculaires. De plus, ta coordination travaille aussi. C'est un excellent exercice pour les abdominaux et les jambes. D'autant que les sit-throughs rendent l'entraînement vraiment difficile. Exercice numéro 7, la planche avec torsion des hanches. Que serait un entraînement sans l'exercice de la planche, hein ? Pour finir en beauté, nous ne ferons pas une planche régulière, mais une planche avec torsion des hanches. Donc, mets-toi en position de planche sur les avant-bras et torsionne ton torse en amenant ta hanche au sol, de manière à ce que tes épaules soient au-dessus de tes coudes. Depuis cette position, fais torsionner ton buste du côté opposé. Comme d'habitude, 10 fois pour chaque série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu as besoin de reprendre ton équilibre, arrête au milieu des rotations pour retrouver un peu de stabilité. Cet exercice est excellent pour lutter contre le gras dans le dos et pour sculpter tes abdominaux, tes épaules et ton dos, tout en ciblant tes fessiers et tes quadriceps. Faisons une dernière série. 1, 2,
3, 4, continue comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a réussi! N'oublie pas de faire cet entraînement régulièrement si tu veux voir des résultats rapides. Plus tu seras à l'aise avec les exercices, plus tu pourras les faire longtemps ou augmenter le nombre de séries. Ah, et si tu fais ces entraînements tout en mangeant correctement, tu verras les résultats souhaités encore plus rapidement. Rappelle-toi seulement que la persévérance est la clé. Donc ne sois pas fainéant et maintiens-toi en forme. Et qu'en est-il de toi? As-tu des conseils ou des exercices efficaces pour perdre du poids rapidement? Dis-nous tout dans les commentaires. Si tu as apprécié cet entraînement, assure-toi de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis qui veulent aussi transformer leur corps. Donc si tu veux voir plus de vidéos de fitness, abonne-toi à notre chaîne. Reste en forme et à très vite!